circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la course de la manche 11, pardon, en Hongrie, pour la saison 99 de Formule 1. Donc c'est parti pour les qualifications. Alors, qualification en livrée, qualification directe. Ok, donc c'est parti, réglage temps, réglage pit, on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Et on va voir si le setup est correct ou pas du tout. Donc, le Grand Prix de Hongrie, dans sa version, je crois, ouais, la façon a un petit peu changé, le Grand Prix d'Hongrie, le dernier secteur est un petit peu différent par rapport à ce qu'il est actuellement. Mais on a toujours les virages principaux, hein. C'est un circuit qui n'a pas énormément changé depuis qu'il existe. Ouais, cette partie là, vous voyez, ça fait une petite chicane. Mais en fait non, maintenant c'est devenu une ligne droite un peu plus longue, où on a un gros virage à la droite, puis après on arrive dans cette partie là et on remonte. Alors qu'avant c'était juste un petit virage, une chicane très très légère. Donc à partir de là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il me semble aussi que le premier virage est un petit peu éloigné. Aïe. Il a dérapé, il est sorti de la piste. Je suis totalement sorti, super pour un premier tour chrono. On peut le prendre à fond ce virage, déjà. Petite anomalie, normalement on n'est pas censé pouvoir. Ouh là, je fais n'importe quoi. Il a arraché une partie du mur sur son passage. Il a atterri dans l'herbe. Et de souvenir, la course 99 n'a pas été spécialement intéressante dans le sens où Hakkinen avait dominé du début jusqu'à la fin le Grand Prix après. Alors, je sais plus s'il partait en pole, je crois pas, mais je crois qu'il avait réussi à dépasser Schumacher au départ. Ou Irvine plutôt, parce que Schumacher n'était pas revenu. Et du coup, c'était adjugé première place plutôt tranquille. McLaren avait remporté la victoire sur ce tracé. Oh là là! Les graviers sont là pour ça, pour les arrêter! Et ouais, mais attends, je fais n'importe quoi, hein, sans déconner depuis tout à l'heure là. Je sais même pas si j'ai réussi à faire un bon temps, c'est ma deuxième tentative. Du coup, c'est un petit peu loupé. Sur la ligne, on finit à 4 secondes. Alors, c'est énorme quand même, on gagne 5 secondes dans le dernier partiel. Hein. C'est totalement improbable. Mais bon, on va laisser comme ça. Donc, on va lancer la course. Juste vérifier les réglages de la voiture. Je pense qu'on va mettre les ailerons avant en haut et les ailerons arrière en haut. La boîte de vitesse en courte. Comme ça, au moins, sera tranquille. Et on va faire OK. Du coup, départ de la course. En pole position, Mika Hakkinen. Près de lui se trouve Eddie Irvine. Et en troisième place, nous retrouvons David Coulthard. En quatrième, Heinz-Harald Frentzen. En cinquième place, Ralf Schumacher. En sixième place, Rubens Barrichello. Septième place, Jacques Villeneuve. En huitième position, Damon Hill. 9e place, Johnny Herbert. 10e place, Jean Alesi. 11e position. Ah, c'est vous qui partirez en 11e. C'est un petit peu mieux qu'en Allemagne. Alexander Wurt. En 13e place, Olivier Panis. 14e position, Pedro Diniz. 15e place, Jarno Trulli. 16e place, bon, pas trop de surprise, hein, hormis ça. 17e place, Alessandro Zanardi. En 18e place, Pedro de la Rosa. 19e place, Ricardo Zonta. Ok, donc pas beaucoup de. Oui, pas beaucoup de surprises. On va partir bon dernier. C'est parti pour le départ. Les feux vont s'éteindre. J'ai l'impression qu'il y a une voiture qui a calé. C'est une Ferrari. Oh oui. Alors elle a pas calé, mais elle est très très mal partie.
Je sais pas si c'est celle, de... si celle de Horvagne, si c'est celle de Salour, on va vite le savoir. Alors attention, premier virage, c'est un circuit difficile pour dépasser. Il remonte rapidement derrière lui. En tout cas, j'ai réussi à gagner quelques places au départ, c'est déjà pas mal. Va-t-il réussir à le dépasser ? On va essayer de dépasser. Il réduit l'écart, il essaie la Prost, on n'a pas beaucoup de tests de pointe par rapport à eux, par contre on va avoir beaucoup plus de grip. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Ouais, du coup ça passe. Ouh, attention à la Benetton sur l'extérieur. Censé cette chicane. Et monter déjà en 15ème position. Ah, je pense que dans les secteurs, c'est là où je suis plus rapide. Ouais, parfait. On va essayer de dépasser la Sauber. Je vais te faire attention, pas trop se louper. Oui, la Benetton, ça va passer, nickel. Et du coup, ça passe dans la chicane, parfait. On est 12ème. Bon, on remonte bien, ça c'est la bonne nouvelle. Le cataclysme de l'Allemagne. Et effectivement, hein, c'est Horvagne qui a loupé son départ, contre les 2ème. Du coup, Horvagne est 8ème maintenant. On a deux Ferrari en 9ème, 10ème position, et j'ai encore tiré tout droit. Du coup, on part bon 18ème. Bon. C'est pas grave, tout n'est pas perdu. C'est encore que le début de la course. Par contre, les tours sont assez tôt. Soit c'est court, je vais y arriver. C'est vrai que par rapport au Grand Prix d'Allemagne où le tour était vraiment plus élevé. Là, ça a déjà fini le premier tour. Je suis pas trop temps parce que le groupe de tête va commencer à s'éloigner et même si je suis plus rapide, non ça passera pas. Ouh, la Williams qui est bien dit jouer le coup cette fois-ci. Il réduit l'écart, il les sépare. Je ne peux pas y croire. Ouh, et la Prost qui était complètement intérieure. Oh. Ok, Offray lâché, bon ça va passer. Et accélération aussi, on a beaucoup plus d'appui j'ai l'impression. Et dans les virages, j'ai un peu plus de grip. On va prendre l'aspiration celle à Sauber. Et le freinage, j'aimerais le faire si je me loupe pas. Ah, on s'est fait légèrement toucher, mais ça va. Ok, parfait, la bonne accélération. On dépasse la Benetton. Attention à l'intérieur qu'elle se replace pas, c'est bon. Elle a donc pas faire trop de bêtises sur la fin de la course hein, pour la suite. Ce virage sert copieusement à rien. Il remonte rapidement derrière Olé. Lui. Elle est remontée. Ouh là, j'ai un peu tapé. Attention, hein, pas trop casser les longs. Oh, ok, Williams qui est en train d'abandonner là. Du coup, on est dans le top 10. Ok, il y a une Coulthard, Horvagen, Frenzen, Hill, Barrichello. Villeneuve, 7ème, pas mal. 8ème solo, mais chez Ferrari. Ok, si on s'est fait au circuit pour le moment, les deux McLaren ont l'air vraiment en avance. McLaren qui est en tête du championnat hein, pour le moment. Ils seront quasiment impossibles à aller chercher de toute façon, parce que notre coéquipier ne marquera jamais de points, je pense. Alors que chez McLaren, ils sont toujours deux à passer leur voiture dans les points en général. Alors ce qui est bien, c'est que les voitures sont toutes un petit peu écartées, du coup je vais pouvoir les doubler plus facilement. Va-t-il réussir à le dépasser ? Ouais, c'est bon. Il est bien parti. Oh, je l'ai tellement bien pris ce virage. Parfait. On va remonter sur la première Ferrari. On a un grip monstrueux, hein, totalement irréaliste, mais bon. Oh, Villeneuve dans les points. Ah bah c'est bon parce qu'il a abandonné. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Wow, attention. Ouais, nickel. Passer à l'extérieur sur Salo. Et on va aller chercher et du coup enlever le point à la BAR. Hein. Et bon, un accident peut encore arriver. Il réduit l'écart, il les sépare. Ouais, je pense que ça peut passer. Oh, c'est touché, mais bon. Il semble ça va. Que ces voitures se sont légèrement heurtées. Ça a été moins impactant qu'en Allemagne. Choc. Et cette chicane, je peux la prendre à fond. Même pas besoin de ralentir. Du coup, c'est Hill maintenant qui est 5ème.
On est une voiture tellement rapide, je pense qu'on peut peut-être même faire le meilleur temps autour, ça se trouve. Non, pour le moment non. Ah non, Irvine est troisième, donc en fait c'était Salo qui s'était loupé. Ah attends, je comprends pas. Ah, ou alors c'était peut-être une Williams qui s'était loupé, pas forcément une Ferrari, je sais plus. Il remonte rapidement derrière lui. Oh, attention de pas glisser sur le vibreur. Donc là, regardez le gap qu'il y a derrière entre les 10 premiers et le reste. C'est impressionnant. Ils se sont légèrement accrochés. Alors, c'est plus que légèrement accroché, oui. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Là, il m'a bien bloqué. Là. Il se défend comme un diable, hein, comme en 98 à Suzuka, là où il avait empêché Schumacher de dépasser pendant un bon moment. Du coup, on est au sixième tour, on commence à perdre du temps sur les pilotes de tête. Il réduit l'écart, il les sépare. Ah, il m'a littéralement fait pas mal de tour, hein, le pilote Jordan. Ok, l'aspiration, ça devrait passer. Il a réussi à le dépasser. Tout va bien. Ouh, il est quand même resté sur l'extérieur, hein. Sur l'extérieur, pardon. Enfin, l'extérieur maintenant. Ah, les Jordan qui se battent bien. Pour l'instant, on occupe du coup la 6ème et 4ème position. Alors, est-ce que Frenzen va être plus incisif que son coéquipier pour me laisser passer? Non, pas du tout. Tout se passe bien. Il remonte et regardez devant. Oh bon, je prends les doublés comme il faut, je me suis loupé. Du coup, j'ai reperdu une place. Bon, c'est pas grave, la Ferrari elle est grillée. On va essayer de faire les McLaren. C'est fou la différence de rythme d'un coup. Il réduit l'écart, il les sépare. Eh ouais, on prend toute la ligne. Bon, on est quand même clairement beaucoup plus rapide, sauf dans la ligne droite peut-être. Alors c'est vrai que les IA ont tendance à être beaucoup moins facile à bouger de la trajectoire que sur les F1 97 et 98. En général, elle part totalement en sucette quand on est touché. Là, le reste elle bouge pas. Hein. C'est surtout nous qui prenons les dégâts plutôt qu'elle. Regardez, ils ont augmenté leur rythme, les pilotes McLaren, j'ai l'impression. Ah, sauf dans le dernier secteur. Cela pourrait bien relancer la course. Pff, aïe. Et du coup, on n'est pas passé. Il semble que ces voitures se sont légèrement heurtées. En tout cas, tant que Coulthard défend sa position, ça va être compliqué de passer. Bon, à l'extérieur. Et l'intérieur maintenant. Oh, mais dans l'accélération, du coup, je me suis loupé. Aspiration sur David, c'est bon. Du coup, on est second. Eh non, il est à l'extérieur encore. Oh, il m'a dépassé complètement. Oh, bien joué, bien joué, bien. Beau retour là. Allez, McLaren qui va être compliqué. Regardez le trou qu'on a mis au quatrième. Bon, mais je peux pas tenter non plus de passer comme les autres parce que là, il bouge vraiment la place. Il est passé devant. Du coup, là, on est passé. Oh, comme il a été lent, Akinen, je sais pas ce qu'il a fait là. Je me fais retoucher par son coéquipier. Décidément, il va essayer de me tuer, Coulthard. Hein. Il va essayer de me tuer, le Coulthard. Oh, l'action d'Akinen là, c'était pas joli. Et du coup, il a repris. Ouais, il a repris pas mal de temps là. Il reste plus qu'un tour. Oh, ça va peut-être sauver son coéquipier du coup, le fait d'avoir fait ça, Coulthard. Enfin, il s'est sauvé lui-même en fait, Akinen, concrètement. On a une Ferrari qui est revenue d'ailleurs, du coup. Ah, ça aurait été une course assez courte, hein. Déjà 10 tours parcourus. Complètement à l'extérieur. Où est le pilote finlandais? Il est là.
Enfin, ça va être juste, hein, je pense que ouais, non, je pense que c'est fichu. Moins qu'il fasse vraiment la meilleure coup de tout à l'heure, mais bon. S'il profite de la situation, il Oh, pourra se lancer cette fois. oh non, là par contre, c'était incroyable. Il s'est décalé au dernier moment. Et on s'est touché dans le dernier Il aurait virage, pu incroyable! échapper au Oh, oh chasseur mon de dieu, pilotes attention! bien méchant, apparemment. Oh non, il va repasser, il va repasser, il va passer! Dans la ligne droite! Non! Non! Et c'est Keenan qui remporte la course! Oh là, bah, belle passe d'arme hein, sur la fin! Oh, il a pas lâché son reste, hein, le pilote finlandais! Et du coup, bah, on termine deuxième pour 2 centièmes de seconde! Ah, c'est un beau finish! Franchement, c'est un beau finish! Alors, on était quand même plus rapide, hein, évidemment, vous l'aurez compris dans le dernier secteur, mais. Mais belle bataille avec les McLaren, mine de rien. Belle bataille. Du coup, bah, c'est Hakkinen hein, qui reprend 4 points encore. Et du coup, au classement pilote, on va voir ce que ça donne. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal d'avance toujours. Mais je pense qu'Hakkinen commence à prendre bah, de plus en plus son envol. On va voir pour la suite de la saison ce que ça va donner. Donc, on va voir le classement final. C'est Mika Salo finalement qui prend le point. Donc, les deux Ferrari finissent dans les points. Johnny Herbert échoue à la 7ème place. Et oui, Villeneuve avait abandonné. Il aurait peut-être pu y avoir un point pour la Stewart. Oh, le championnat pilote, et du coup, on est toujours en tête. Avec, par contre, c'est en train de se réduire au fur et à mesure. On n'a plus que 14 points d'avance. Donc, Hakkinen, 2ème, 3ème Schumacher qui ne marque pas de points. D'ailleurs, ça remonte assez lentement. On a quand même 3 Anglais entre la 4ème, 5ème et 6ème position. Ralf Schumacher, Mika Salo, 1 point. Voilà, donc du coup, premier point pour Mika Salo. Et du coup, au championnat constructeur McLaren, bah, ils vont continuer à s'éloigner, hein, puisque 10 et 4 points, ça fait quand même 14, on en marque 6, donc il y a quand même au moins 8 points d'écart. Donc, on est troisième, du coup, on s'est fait repasser par Ferrari, enfin on est toujours derrière Ferrari. On va quand même essayer d'aller chercher Ferrari cette fin de saison, au moins de terminer vice-champion, ça pourrait être pas mal, parce que je pense que ça va être très compliqué de finir mieux, sachant qu'après il va y avoir le retour de Schumacher, donc ça va être encore pire. Donc, on va voir comme ça. Donc, du coup. On va, bah, je pense, se laisser là-dessus. Normalement, la prochaine course, c'est peut-être Spa-Francorchamps, il me semble. On va vérifier ça. Un chargement. Et ouais, pas Spa-Francorchamps, c'est exactement ça. Bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Une course, ma foi, pour une fois, plutôt intéressante. Je vous dis donc à la prochaine pour la manche 12 en Belgique. Ciao tout le monde.